J'ai acheté 200 kilos de cartes Pokémon. Venez avec moi vivre un rêve de gosse où je vais trier l'intégralité de toutes mes réceptions Pokémon. Et on commence tout de suite parce que j'ai un garage à remplir. Et je vous offre des boosters Évolution Céleste. Pour participer, tu t'abonnes et t'écris un petit commentaire. Bravo au dernier gagnant. J'ai acheté plus de 200 kilos de cartes Pokémon. Et regardez, c'est le bordel là, il faut que je trie un petit peu tout. Il m'a rendu riche, les gars. Les gars, c'est riche. Dès que je fais une vidéo, il est là. Dès que je fais une vidéo, il est là, frère. J'en peux plus. Enfin, d'arrêter. Et... Ça vient de chez moi, ça. Honteux, les gars, honteux. Mais comme ça, en fait, c'est une vidéo rangement plus découverte. En doucement, s'il te plaît. Ça je l'ai vendu. En vrai, je l'ai pas trop défoncé et je l'ai fait 140 euros. Ah, ça va, c'est un bon. Tu sais que j'ai fait combien? Non. Tu ne viendras jamais. Je sais pas, tu l'as payé 50 balles. Ouais. Je l'ai acheté 50 euros en 2020, à l'époque où je commençais mes vidéos, et parce que je l'ai stocké en fait. En faisant le déménagement, je l'ai oublié. Ouais. Non, ça après, ça c'est. Faut pas montrer ça. Ça c'est. Chef, doucement, chef. Eh les gars, on va chercher des cartons et en même temps on va ranger. J'arrive. Quelques réceptions ici, je vous les montre rapidement. Et puis après, je vais vous montrer toutes les pépitas. On commence avec ça que je viens de recevoir, les amis. Alors pour ceux qui n'arrivent pas à lire, 12.5, c'est des Pokébox, les amis. Des Pokébox de Zénith Suprême. Alors j'en ai pas beaucoup. Bon, j'ai quand même un carton, je vais pas me plaindre. Ça, Zénith Suprême, ça devient de plus en plus dur à récupérer. Très content d'en avoir. Ça, je crois que. Je sais plus c'est quoi. 651 ou... Non, je sais plus. Je sais plus. C'est des Pokébox qui datent, je les avais ouverts, j'avais pas récupéré. Ça, c'est quand je mets dans la voiture. Alors ça, les gars, c'est de la dinguerie. C'est un carton de l'Orcana. Alors, je sais que j'en parle quasi jamais sur cette chaîne YouTube de l'Orcana, mais je suis quand même un grand fan. J'aime bien avoir quelques dispécellés. Ça, c'est le 7-2. J'ai aussi le 7-1. On devait en avoir énormément sur Karyu. C'était prévu qu'on fasse énormément de marketing et tout sur Karyu. Et bah, Ravensburger ne veulent pas, en fait, fournir beaucoup pour ce genre de boutique. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il n'y a jamais eu de l'Orcana sur Karyu. Alors que c'était totalement prévu depuis le début. J'ai appelé le fournisseur comme un ouf. Et malheureusement, j'ai pas pu en proposer. Donc voilà. Donc, il y en a pas, et puis ça je l'ai acheté moi en personnel. Et le dernier carton que j'ai reçu, c'est celui-là, les gars, les Pokéball Chin, avec dedans du Évolution Céleste, et ça on va en parler tout de suite. Évolution Céleste, c'est juste n'importe quoi en ce moment. C'est pour ça que, les gars, bah, dès que je peux en avoir dans des Pokéballs, dans des trucs, bah, j'hésite pas à en prendre, c'est normal. Mais surtout là, les gars, j'ai fait un achat pépite, regardez. Bon, là tu vois, là il y a les cartons, c'est vraiment réception, les gars, je vous ai dit, c'est le petit bonus de la vidéo. Et puis après on va aller dans mon garage abandonné. Regardez ce que je viens de recevoir, je suis tellement content de l'avoir. Je trouve ce coffret juste exceptionnel, je l'ai payé super cher. Je vais pas vous mytho. Et en fait, à l'intérieur, t'as un Éclipse Cosmique, un Encore en Ténèbres et un Ombre Ardente, qui sont des séries qui cotent pas mal. Et cette petite promo, juste la promo, elle est aux alentours des 30 euros. Mais vraiment, les gars, c'est pas juste le prix, c'est juste que je l'avais loupé. Ça fait partie des tout premiers coffrets qui sont sortis quand j'ai commencé Pokémon, les gars. Donc ça commence à remonter et je le voulais absolument dans ma collection. Donc voilà, très content de l'avoir. Mettez-moi une note sur 10 sur ce coffret. Je suis vraiment content de l'avoir récupéré, ça. Et le pourquoi du comment j'ai voulu revenir chez moi, c'est parce que je viens juste de les avoir, juste de les recevoir. Une énorme réception de booster Artset. Vous savez à quel point je suis un amoureux de ça. Voilà, je pouvais pas montrer ça à Choi, les gars. Je montre ça à Choi, il va me dire Kibiki, viens, on ouvre tout. Je veux pas, les gars, je veux pas. Après, les gars, c'est les pires trucs à faire dans sa collection. On commence avec un magnifique booster Impulsion Turbo. Voilà, ça c'est le plaisir. Un petit Vigueur Spectral. Encore un Vigueur Spectral. Et ça, alors ça, les gars, vous le savez, Frontière Franchie, j'en ai racheté. Parce que j'en ai ouvert en fait en vidéo. Et bah, je voulais absolument en revoir, les gars. Faut pas penser que j'ai un stock illimité, hein, loin de là. Donc comme je les ai ouverts en vidéo, bah, j'ai galéré pour essayer d'en retrouver. Et je suis vraiment content. Série noir et blanc, les gars, qui est juste trop jolie. J'ai pu récupérer un Artset Rupture Turbo. C'est une série qui est claquée au sol, mais je suis content de les récupérer. Ils sont vraiment super beaux. Donc voilà, j'ai fait une petite affaire. Je suis content. C'est un abonné qui me les a vendus. Les gars, regardez, là on a dû prendre de la main d'œuvre. Ça, c'est toutes les valisettes qu'on a vendues en ce moment. On fait une réduction de malade. On en a acheté des kilos et des kilos, les gars. Et merci, franchement, c'est une valisette qui est exceptionnelle, surtout au prix où je la fais. 31,90€. C'est incroyable. Merci pour votre soutien. Donc ça a pas duré aussi vite. On va couper la réduction bientôt. Parce que là, vous nous faites trop de commandes, les gars. C'est abusé. Regardez, les rayons sont vides là. Les rayons sont vides. C'est abusé. Donc si vous voulez votre valisette, si vous voulez récupérer, les gars, votre valisette, c'est le moment. 31,90€ pour 6 boosters, les gars. On vous a fait plaisir. C'est pour ça qu'on a acheté des palettes et des palettes. Vous voyez derrière, c'est un bordel. Donc ça aussi, les gars, juste ça, une valisette, juste d'en avoir, allez, une centaine, ça fait déjà 10-20 kilos. Genre vraiment, c'est abusé. Ça, c'est devenu stylé, ça. Hein. Je sais pas si vous voyez là. Hein. Ouais. Regardez, il prend pas soin de ses items, Kibiki. Ah, purée, les gars. Ça, c'est des beaux coffrets, ça. C'est
c'est des coffrets qui sont bien. Hein. Il y a beaucoup de épées boucliers. C'est ça. Il y en a plus en vente dans le commerce. Hein. Ça commence à se faire très très rare, les amis. Ça, tu te rappelles, est-ce que tu te rappelles de cette époque-là, les gars? À cette époque, personne n'achetait ces coffrets. Personne n'en voulait. Ouais, c'est ça, 35. Et personne n'en voulait. Personne n'en voulait. Aujourd'hui, je sais pas combien ça vaut, mais c'est quand même des boosters. C'est quand même des coffrets Eevee. Très joli à avoir dans sa collection. Et ça, c'est marrant, ce sont un Pokémon. C'est ça. Après, les gars, j'avoue, point de fusion. Hein. C'est faux, point de fusion? T'as point de fusion, t'as style de combat et t'as clash, quoi. Et un EB9. Ah, c'est EB9 ou clash? Ou c'est EB classique, je sais même pas. Bah, là, on dirait plus un booster entre un coffret ténèbres embrasées. Ouais. Ah oui, toi, c'est ténèbres embrasées. Mmh. Et en parlant de la display ténèbres embrasées, elle est là, elle est toute belle, les gars. Ça, c'est joli, ça. Tu sais, j'ai récupéré où, ça? Chez qui? Canada. Allez, ah ouais, gars. Carrément, la France, elle ne suffit plus. Ah, ça suffit, maintenant, il va scalper même au Canada. Okay, eh ouais, okay. Les gars, j'ai scalpé au Canada, les gars, c'est introuvable maintenant, c'est pour ça que j'ai le plan. Mais il y en avait à l'époque au Canada, je te jure. Sauf que, les gars, quand tu ramènes ça du Canada... C'est une fausse. Quand tu ramènes ça du Canada, ce qui se passe? La douane. Ils m'ont arraché 3 displays, les gars. Ils les ont ouverts, elles sont détruites. Du coup, bon, les boosters, ils avaient rien, on les avait vendus, mais... Je vais dégoûter, mon gars. Toi, t'es vraiment une merde. Vas-y, donc ça. Eh, c'est un menteur, les gars, on l'a acheté ensemble. Moi, je l'ai donné à un certain personnage. Ah, ouais, il l'a donné à la concu, Les amis, ce coffret Pikachu, bon, il est abîmé, c'est pour ça que j'ai touché pas cher. Des fois, les gars, on récupère les trucs qui sont abîmés. Regardez, donc le mec, il me l'a vendu vraiment pas cher. Je me suis dit, bah, je m'en fous, il y a tout. Je sais pas, ça vaut combien ça aussi? En vrai, c'est un peu nul, non? Les gars, dans les commentaires, dites-nous quel est l'item que vous kiffez le plus. Vas-y, tu sais quoi, on met des notes à chaque fois aux items. Celui-là, ouais, les gars, je trouve qu'il était surcoté pour l'époque. Aujourd'hui, bon, c'est sympa, mais je vais lui mettre 7 sur 10. Il était trop cher. Moi, j'ai mis un 5, j'aime pas 5. La figure. Il était trop cher. Ça prend trop de place. Ah, la regarde, mon gars. C'est quoi ça? Wow. Ah, ça, c'est la folie. Kiwi Kill Scalper, les gars, ça scalpe ici. Ah, c'est lourd, t'as des boosters Evolution. Ouais, booster Evolution, ça, c'est incroyable. Les gars, ça se trouvait à la Fnac à l'époque. UPC. C'est pour ça qu'on en trouvait pas quand c'était. Eh oui, les gars, c'est moi, j'ai tout vidé à King Jouet, les gars, bien sûr. Quand j'ai la queue à 50 pour 4 UPC à la Fnac, bah c'est lui qui est passé avant. C'est moi qui a volé. Non, en vrai, les gars. Moi, les gars, pour vous dire, j'en ai même pas eu ces trucs. Sérieux? J'en ai zéro chez moi. Non, nous, c'était au tout début de Carlou. On commençait à en avoir. On en avait eu pas mal hein, sur la boutique, je me rappelle. Les gens ne croyaient pas. On en avait eu pas mal. Et ça, si tu mets sur le site, on s'était fait bottes et tout. C'était un bordel. Mais du coup, j'ai pu en garder 2 pour moi pour ma collection. Ça t'appartient pas vraiment, ça appartient à ta société. Donc si je le veux en personnel, il faut que je le rachète à ma société. Voilà, à méditer. C'est pour ça que vous me voyez aussi acheter en magasin. C'est pour frauder les impôts, ça. J'ai envie de pleurer. Non, les gars, il faut l'ouvrir en vidéo. Non. Tu l'ouvres sur WhatsApp. Je suis dépité, on va l'ouvrir hein. Ouais. Oh, dégoûté, il y a un trou. Il y a un trou aussi? Non, et je pense qu'un. Non, s'il te plaît. Les gars, ça c'est le pire truc à garder scellé, c'est lourd, c'est chiant. Il y a des petits trous pour que ça respire. Regardez les gars, ils ont fait des petits trous exprès pour éviter que les scalpers comme lui dévalisent tout. C'est vrai. Moi j'ai pas de scellé. Hein. Il a tout. Les gens disent que je suis un scalper, je n'ai pas de scellé. Non, c'est un scalper compulsif. Mais regardez. C'est un scalper compulsif. Il va au magasin, il achète tout, et il vide tout, et il ouvre tout. Vous collectionnez des cartes ou des coffrets? Faut savoir. À méditer. À méditer. Mais sur ce, les gars, ces coffrets-là, c'est là où vous voyez beaucoup d'items. Pourquoi j'en ai en plusieurs? C'est parce que vraiment, personne n'en voulait. Bah, c'est vrai qu'à l'époque, les boosters, c'est début soleil et lune. Bah, c'est comme, les gars, c'est comme EV actuellement. Ouais, les premières séries, personne n'en veut. Mais croyez-moi que ça, plus tard, dans 3-4 ans, les gens se diront, ah ouais, EV 1, 2, 3, fallait coffrer. Ouais, et le problème, c'est aussi, c'est peut-être l'une des plus belles jumbo. Pourquoi vous l'avez pas fait en carte? Non mais pour de vrai, Pokécompagnie les gars, s'il vous plaît, vous avez déjà créé le design. J'avoue qu'elle pète. Qu'est-ce que vous faites? Et ça voilà, un truc que je comprends pas avec ce coffret. Coffret qui est quand même très très apprécié aujourd'hui. Je sais pas maintenant ça vaut combien, mais déjà à l'époque, comme je suis un scalper originel et que 200 kilos de Pokémon, on les a pas n'importe comment. Choi, j'ai acheté pour moi le meilleur item en ce moment. Et à chaque fois les gens ils se trompent, ils les achètent pas. Moi j'ai pas d'argent les frères, je peux même pas financer mes vidéos. Oh là là, c'est un menteur. Vous savez il a pris combien avec NordVPN? 15 000 euros les gars. Un placement 15 secondes. Voilà, moi je l'ai quoi. Même moi j'étais pas au courant de l'effet. Ah c'est un menteur les gars. Allez sur ma chaîne et allez trouver une vidéo avec NordVPN. Non en vrai j'ai pas de... NordVPN s'il vous plaît sponsorisez moi les gars s'il vous plaît. Alors c'est du recellé hein. Ça se voit hein. Ils ont recellé tu vois. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, ça fait des magouilles. Ça fait des magouilles. Oh non, ils m'ont livré avec la display, c'est des ronds. Ah non, ça les gars, ça va pas ouvrir. Hein. Mais non. Ça, regarde, c'est les. Regarde. Oh là là. C'est lesquels ceux-là? Alors, c'est avec EV2. C'est ça, EV2, EB7. EV2, EB7, les amis, en case comme ça. Je suis trop content.
Je pensais qu'ils allaient me péter les cases et m'envoyer sans les cases. Je viens de découvrir avec vous là. Les gars, le scalper originel. Non, ça les gars, c'est magnifique. Bon, ça vient de magasin pro, les gars. C'est pas un truc que tu peux avoir à Carrefour. Je connais des scalpers qui arrivent à trouver ça à Carrefour. Je ferai une vidéo sur ma chaîne de ma collection de scellé. Elle va durer 2 minutes parce que j'ai rien. Ah, regarde, y en a en bas. Y en a en bonus, les gars. Choy, c'est un signe. Ah, y en a en bonus. Ah, vas-y, on va ouvrir. Allez, comme tu t'es déplacé et que le Uber coûte trop cher. J'ai payé 40 euros. On en a 4. On les ouvre. Vas-y, en légende. Voilà, vous avez vu, pour ça je déteste être avec lui. Ça, faut garder scellé, les gars. Faut pas ouvrir. On collectionne des cartes. Si t'as Noctali, la vie, c'est pas à toi. Ok. Bon, les amis, on a les boosters. On va ouvrir. Ah ouais. Il y a des choses ici aussi, hein. On vous a pas montré ça, les gars. Non, parce que je sais qu'après, les gens, vous allez vous énerver. Depuis tout à l'heure, on vous montre des trucs, mais c'est aussi parce que c'est des trucs qu'on va sortir en boutique pour les anniversaires et tout. Vas-y, les amis. Si tu chopes Magikarp, je te donne une display, gros. C'est vrai? Je te jure. Ah, je vais pas la choper du coup. Je peux pas te display. Je crois qu'ils sont rigueur, c'est. Ah ouais, okay. En fait. Eh, tu sais quoi, on ouvre les EV2 après on ouvre les EV7. Là, je parle premier degré. Alors pourquoi, les gars, j'en achète? C'est tout simplement parce que EV7 en ce moment c'est une galère. Donc c'est pour ça que j'en ai pris. Les displays EV7, c'est trop dur. C'est devenu trop dur, ouais. Oh, let's go! Je te rappelle un truc, les gars, ça là. J'ai passé ça à mes stagiaires sur Whatnot. Ils l'ont vendu à combien? 4 euros! Ça en valait 20 à la sortie. 20! Voilà! Bah, ils ont fait le plus value, c'est. Ah, c'est vrai, bien. Non, mais c'est. Mais n'oubliez pas, les amis, pour vos collections Pokémon, les meilleurs sites du marché! New Asia, les gars! Je vais pouvoir skiver celle-là. Vas-y. On en a vendu déjà 10 000 sur Cario, les amis. Bon, je mens un petit peu, mais quand même, il y en a eu énormément qui sont partis. Regardez l'effet glossy là, c'est magnifique. N'hésitez pas, c'est sur Cario, c'est disponible. 10 000, c'est ce qu'il y a. Ah, bah, ça, mes pépitas, les gars! Ultra sous-côté, les gars! Regardez. C'est le coprisation. Il y a quoi à l'intérieur, je sais même pas ce qu'il y a. T'as tout EB. Tout! Une carte promo spéciale, regardez. En fait, t'as la gold, et sinon, après, regarde, t'as vraiment tout EB. Je crois que c'est jusqu'à 7, je crois. Mmh. Ou avant, je sais plus. Et ça, les gars, personne n'en voulait. Alors, je sais pas si c'est monté ou pas. C'est exclusif aux Anglais. Et c'est mes toutes premières vidéos. Du coup, j'en ai gardé 2, tu vois, juste pour le plaisir. Et je trouve l'item, il est trop beau. Hop, d'ailleurs, les gars, je recherche des cases de ETB Zenith. Parce que j'allais faire une grosse ouverture sur la chaîne. Si vous vendez des ETB Zenith, je suis preneur. Donc voilà, ça, c'est très très joli ETB aussi, les gars. Ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ça, là, c'est l'item le plus sous-coté de l'histoire actuellement. Est-ce que tu sais il y a quoi dedans? Et on peut pas, tu veux pas savoir, tu veux pas voir? Des boosters? Boosters! Et comment tu sais? J'ai ouvert déjà, regarde. Mais ah non, je crois que c'est Geochoc et Clash. En fait, un booster Geochoc scellé, les gars. Donc ça, c'est un item, j'ai trouvé en sol à King Jouet, la vidéo est encore disponible. Ils avaient payé 17,35€. Personne n'en voulait. Eh ouais, les gars. Comme quoi, les amis, être sur Pokémon, ça a du plus. Je suis comme Choi, c'est ça mon problème. Parle de. Regardez, j'ai tout ouvert comme un pépile mental. Et j'ai eu un truc. Non. Ah, c'est ouvert. Mais regarde à l'intérieur, y'a quoi? Rien. Y'a rien dedans, y'a rien. Y'a des boosters scellés à l'intérieur. Vas-y, ouf. On a pas le temps, Ah, ok, vraiment pas cool lui. Oh, y'a des Dofus Mike. Oh, Kiviki, pour t'es une balance. Y'a un micro Elgato, wesh. Attends, change pas de. Blue Birds. Les gars. Il l'a caché. Non. Il pèse ses boosters. Il a une balance. Il pèse vos boosters, Kimichi pèse vos boosters. Non! Fallait pas le dire! Ah, tu filmes? Merde. Ah, ça là! Oh là, les valises. Ça, c'est beau ça. Les gars, là, vous avez du légende brillante. Vous avez, comme vous le voyez, 5 boosters. Avec les cartes promotionnelles, Latios, Latias, Pikachu. Ça, il y avait un réassort dans Auchan. Auchan, ouais. À 30 euros. C'est ça. Tout le monde les aura fait. Magnifique ces petites valisettes, les gars. À chaque fois, j'en ai qu'une seule. Tu vois, à chaque fois, j'en ai qu'une seule, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est. Les falaisettes, c'est un item qui est ultra sous-coté d'ailleurs, Dracaufeu, disponible sur Cario, 31 euros les gars. C'est trop cher. 31 balles! Abuse pas, wesh! Ah, 31! Ah, j'ai dans une. Allez. En l'eau. Tu veux? En vrai? Oh, oh my god! C'est trop facile avec Choy! Wesh! Regardez, les amis, ce que j'ai trouvé. Oui. Ce scalper, il a encore de la sruradu. Wow, t'as vu comment elle est propre? Faut ouvrir, y'a un. Eh, t'as vu que j'achète que les trucs que personne veut. Mais ça me fait plaisir. Moi, je soutiens Poké Company. Astro Radio, les amis, il y a des très très belles cartes à l'intérieur. Franchement, ouais. Je pense que ça n'a pas eu autant de succès parce que c'était juste après EB9. EB9, ouais. À l'époque, avec le Dracaufeu, ça a pété. Eh, déjà, tu vois, on a bien l'idée. C'était un pendant qu'on peut marcher. Ce mec, il me cache des trucs. À chaque fois, on se parle, il fait. Non, ça, j'ai pas l'argent. Oh! Moi, non, commencer, regarde la vidéo de Bito, moi j'ai commencé avec 100 balles, les gars. 100 balles, moi je viens vraiment de rien, pas comme vos autres youtubeurs. Nous on vient de zéro, lui aussi il vient de zéro. Moi je viens de la Corée du Nord, y'avait rien, frère. Rien, cousin.
Non, non, moi, on vient vraiment non, de non, rien. Non, non, faut avouer, je suis venu avec un truc. C'est la seule que j'ai. Voilà les gars, je les vends pas. C'est sentimental. Personne touche à mes ETB Pogo. C'est à moi. Ça coûte 20 euros. Oui. Moi je suis un passionné de. La passion avec 2 dollars. En fait, t'as vu, je suis passionné des trucs qui marchent pas. J'ai un don pour ça, ouais, les gars. Ouais, t'as tout compris. Ouais. J'ai tout compris. Par contre, les amis, ça c'est un item incroyable des Tovins. Bah bah bah. Mina. Comment il a eu ça, wesh? Ça, les amis, on en reçoit. Les Zénith Supreme, ça. Ouais. Par, par série, on en reçoit pas beaucoup. Hein. On en a maximum 10 en boutique. Et du coup, j'en achète une pour moi. Et le reste, on vous les vend, les gars. Donc voilà. C'est assez compliqué. Cette série, elle va péter, les gars. Ouais, les mini display comme ça c'est trop beau, t'as Célébration aussi, t'as Paldea. Pour ceux qui arrivent à en trouver les gars, pour moi c'est un des plus beaux items que vous pouvez avoir. D'ailleurs les amis, il y a 151 qui a été repris dans les grandes récré. Ouais. Allez vite, regardez-moi ça les amis, les coffrets Rwagada. J'en ai plus que deux amis. Vous avez à l'intérieur deux boosters Evolution Céleste. C'est un coffret qui à l'époque se vendait à 23 euros dans les Auchan. T'as personne. Et ça, personne n'en voulait. Ouais, il y en avait des montagnes et des montagnes. C'est un des meilleurs coffrets. En même temps, regardez la carte promo, elle pue sa mère. Peut-être, ouais, peut-être. C'est vrai. Mais et les boosters à l'intérieur. Aujourd'hui, ça fait partie des meilleurs coffrets. Avec le Dracolo, c'est les deux meilleurs coffrets, je pense. Mais comme Kibiki est un débile, j'en ai acheté 12. Moi, S2. Tout ouvert. En moi, j'en ai acheté 7. J'ai tout ouvert. Mais ça donne trop envie d'ouvrir aussi. Pour le coup, dans ces coffrets-là, on a droppé. Hein. Ouais, c'est vrai on que ça a eu, pas des on a pas eu d'alternative. J'ai eu Finali, moi. Mais moi, j'ai eu la Noctali Full Art. Ah ouais? Elle coûte 50-60 euros. Hein. Non. En plus, je suis content parce que c'est un colo, c'est les gars, mon bouquin préféré. Ça, scellé. J'en ouvre pas. Ça, faut le garder, les amis. Franchement, ouais. Si vous en voyez passer, faut. Une fois une soirée, faut j'étais ouvrir. Oh là là, c'est parti ou pas? Là, il y a un truc, les gars. C'est quoi ça? ETB, légende brillante. Ça c'est joli, ça commence à monter. Tu te souviens au gala, on en avait ouvert deux. Oui, c'était horrible. Sur les, on a ouvert 20 boosters Légende Brillante au gala l'année dernière, on n'a pas eu par celui de vrai, c'est dur à trouver. C'est pas archi dur, mais genre, en magasin, il n'y en a pas. Hein. T'as tout ouvert aussi la dernière fois. Ouais, c'est vrai. J'avais trouvé un bon plan sur AliExpress, voilà, je vous dis la vérité, pour protéger les ETV. C'était avec un truc comme ça, là. Franchement, ça passe bien. Ça permet de stocker. Ah ouais, il a du origine. Ça, en vrai, ça reste encore trouvable. Ouais, c'est trouvable. Mais les codes commencent à augmenter, hein. Donc faut vite se positionner. Ça, par contre, c'est plus possible. Ça, c'est du n'importe quoi, ça. Tu sais qu'on en a ouvert une il y a deux jours. On a eu la chaise en full art. Archi en table. Voilà ce que j'ai pris pour mon anniversaire. Et ouais, les gars, pour mes 26 ans, je me suis fait plaisir. Petit coffret destiné au culte. Ah ouais, il est vieux, le bon gars. Ah, il est vieux, hein. Les gars, je suis un fossile. Non, ça on ouvre pas, les gars. Un jour, je vais l'ouvrir. On est, c'est l'âge. Arrête. Il est bancal. Tu deviens fou sur ce mec. Il a harcelé. Arrête. Dis pas que c'est une analyse. En plus, elles ont tous ses défauts. Ah, ok, ouais. Pour être sûr. Ouais, pour être sûr. Donc, les gars, là, on a un peu de Paldea. On a la display bundle aussi. Ça va être en jeu aussi dans la collection. J'ai une. Ça, tu sais quoi ça, pourquoi c'est sorti? C'est des trucs qui vont être destinés pour Whatnot, pour les trucs comme ça. C'est pour ça que c'est un peu en dehors. Et que c'est entre guillemets rangé. Ensuite. C'est le vrai bordel de bordel. Tout ça, c'est des trucs à gagner dans les vidéos. Et regarde ce que je vais faire gagner. Eh ouais, Cariou va vous régaler avec du 151. Donc ça va revenir. Ça fait plaisir. Et en parlant de 151, je vous ai dit 200 kilos. Les ultra premium, les amis. Ça là, vous allez voir au fur et à mesure des semaines, vous allez comprendre. Il va y en avoir de plus en plus. Donc checkez la boutique, soyez à l'affût. Il a 4 cartons, les frères. Il en a 20. J'en ai 20. Faut pas le dire aux gens. On a 20. Même le chien est excité là. Voilà mon gars. Bon. Tout ce qui est full EB maintenant les gars, ça devient super rare. Donc ça les gars, on en garde une scellée. Mais il y en a en boutique hein. On en a en boutique. Si vous voulez la display scellée, vous avez juste à acheter les 2x2 là. Vous prenez les 2x2, on vous la livre comme ça. Il n'y a aucun problème, on j'achète, sait qu'il y en a beaucoup. J'achète. Tu veux j'achète. C'est ça le problème les gars, dès que je montre à... Tu vois, j'achète. C'est le plus gros client de Cario, c'est lui hein. Et je lui fais aucune réduction. J'ai mon feutre, je signe. Ce Golemon, il a vendu le carnet où je note les doutras que j'ai eu. Hein. Ça aussi, les gars, c'est beau, ça. Encore du EB7. Clash. Je les ai eu à 11 balles. 11 balles? Ouais, sur eBay. Mais ce qui est dommage, c'est que, tu vois, Clash des Rebelles, je sais pas si vous voyez la série, mais il n'y a pas de carte ultime, entre guillemets. Ouais. Comme les autres séries. L'une des cartes les plus stylées, c'est Fenard V. Je sais pas si tu sais. Il y a une Fenard V Full Art, elle est grave belle. Est-ce que tu sais c'est quoi la série? L'une des displays les plus difficiles en ce moment à voir, les gars, c'est d'ailleurs les displays Origin Perge. Très, très dur à voir. J'en ai zéro. Voilà. Et Clash des Rebelles, c'est la plus dure aussi. Voilà, fallait vous dire. Allez, on retourne dans nos cartons là. On rigole, faut bosser les amis. L'époque où j'étais en partenariat avec Gelo Store, il m'avait passé un coffret. J'ai jamais ouvert. Eh, il y a deux EB7 dedans.
Faut ouvrir, gros. Non, allez. Ah ouais, faut ouvrir. Il est ondulé. Faut ouvrir. Bah ça, ça a été expédié par la concurrence. Hein. Expédié par la concurrence, c'est... Non. Je les ai ouverts, mais je me souviens en avoir eu. Hein. Ça, ils sont magnifiques, ceux-là. Il y avait quoi déjà à l'intérieur, marqué ? Celui-là aussi, c'est quelque chose. Ouais, il est monté de fou, ce coffret. Hein. Incroyable, ce coffret. Vraiment magnifique. Ce coffret, il coûte plus de 100 euros, je crois, aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Mais il était déjà cher à l'époque. Hein. Il était déjà cher. En fait, je connais les cotes, mais j'ai rien chez moi. Ça. Ce Gaulmont, là, qui l'a signé, lui ? Qui a ses comptes voilà pour le mettre sur l'affiche ? Peur, là. Ça, c'est un magazine, les gars ! J'en ai gardé grave. J'en ai donné à la famille du Bled. J'ai donné à tout le monde, les gars. Ça garde scellé toute ma vie. Ah, t'as vu ? Balèze hein, le kipiki hein. Ils ont mis sur Illustrator, ils ont fait des traits. Non, t'as vu, c'est Yuna, elle a fait la mini. Ça c'est Photoshop. C'est Photoshop. Ultra prisme les gars en plus hein dedans. Ça, je vends pour rien au monde. Rien au monde les gars. À part 200 euros, j'avoue, là je commence. Non, voilà, j'en ai pris quelques-uns. Les gars, vous pouvez pas me dire scalper. Je suis dessus. C'est mon magazine. J'ai le droit d'être dessus les gars. Non franchement je suis trop content. Et ça, bah content de vous. Comment il est narcissique ce mec. Ah il me dégoûte. Ah ça c'est nul ça. Ça on en veut pas ça. Ça c'est vraiment nul ça. C'est claqué les gars. Ah oh, mes esprits tout ça. Trop nul. Ça sert à rien ça. Ça vaut rien ça. Ça vaut quoi ça? Des cartons. Où est-ce que j'ai trouvé les amis ça? Ça il sait pas qu'il l'a encore. Ça on va l'emporter chez nous ça. Les amis, on a trouvé les tripacks de Kibiki, regardez. Eclipse. Regarde le prix de l'époque. 19 euros. C'est chaud, hein. Je te le rachète 20 euros, tu fais 1 centime de bénéf. Ah ouais, toi, t'es un bon, toi. Ça, les gars, c'est de la dinguerie stratosphérique. Les anciennes Pokébox, je les avais achetées. C'est Noël 2020, je crois. 2020. Incroyable. Ouais, 2020. Ça remonte 2020. Ça remonte maintenant 2020. Moi, j'étais pas sur YouTube, moi. Ouais, bah moi, j'ai commencé YouTube avec ces Pokébox, je les avais gardées sans faire exprès. Et du coup, elles sont là, trop contents de les retrouver, d'ailleurs. Zenith Suprême avec le Pikachu. Un petit carton, là. C'est plaisir. Exclusivité, ça, hein. Comment t'expliques tout ça? Hein? On veut des explications, moi et les abonnés. On veut des explications. C'est simple, j'achète des stocks de vidéos et après j'ouvre pas. Et ça. Voilà, j'ai pas assez de temps, je travaille trop, je bosse trop! Fou, je suis fatigué. C'est pour ça qu'il part en Portugal pendant 3 jours. On l'a vu. Non, les gars, franchement, ce coffret, il est stylé, c'est pas le meilleur. Le meilleur en vrai, c'est Lugia. Ouais. C'était joué club ça. C'était joué club. Celui-là, c'était qui? Purée. Toute chaque enseigne, il y a sa propre. Ouais, c'est son propre. Oh! J'ai un truc. Ça a attrapé des souvenirs, Choy. Ça là, c'est beau comme. Ouais, quand même. Les gars, ça pour les fans de Yu-Gi-Oh! Ça en scellé, c'est. La dernière fois que j'ai vu il y a 2 ans, c'était 600 euros. Moi, j'ai une confidence à vous faire. Ouais. J'ai rien en scellé en Pokémon, mais Yu-Gi-Oh! J'ai pas mal. Parce que. Tu t'es trompé de bide, ouais. Enfin, trompé de en fait, si Yu-Gi-Oh! Était plus populaire, j'aurais fait une chaîne de Yu-Gi-Oh! Mais. Moi voilà, vraiment, c'est Pokémon qui perd. Pourquoi? Pour l'argent! Oh! Regarde! Mais non, incroyable. Le meilleur jeu Pokémon de l'histoire, je rappelle. Imagine, ça s'allume. Pas de batterie, c'est pas possible. Ouais, c'est bon. Et les protections à l'époque, elles étaient dégueulasses, elle a jauni mon frère. Magnifique. Mais elle est bien, hein. Elle est bien, franchement, elle est bien. Oh non, non, non. Purée, c'est abusé, hein. Avec du Zenith. Ah, oh, les gars, ça fait du bien. Bon. On vous montre un peu comment ça fait dans les cartons. Et puis au moins, enfin, j'ai pu tout trier. Ça nous a permis de faire ça. Là, on vient de trouver un vestige comme quoi, les gars, il faut trier sa collection. Regardez, les gars. Tout ça, c'est du XY. Disponible sur Cario directement, les gars. Tout est déjà trié par série. C'est incroyable, les gars. Oh! Oh! Purée! Incroyable, mais il y a des turbos et tout. Méga Dracaufeu X, les amis, comme ça dans un classeur. Là, il n'y a que chez Cario des trucs comme ça, les gars. Que chez Cario! Qui vient d'être racheté à l'instant. Là, hé les gars, faut que vous vous rendez compte. Filme le local là, comment c'est le bordel. Comment c'est le bordel là. C'est abusé. Là en ce moment, les gars, vous nous bombardez de commandes et tout. Mais on est en train de charbonner. Et ce qui est bien, là, dans 1 heure, 2 heures, tout sera fini. Et voilà les gars, on a tout rangé. C'est magnifique. Je suis trop content. Ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Même les rayons là sont tout propres. C'est ça aussi, la partie de la collection. Regardez, tout est trié, tout est propre. Ça fait plaisir. On peut enfin circuler. Et oui, c'est ça aussi, les gars, quand on fait des gros rachats. C'est des gros moments aussi, on trie et tout. C'est sport. On continue, bien sûr, à vous trier tout le reste. Et regardez, tout ça aussi, ça va partir, les gars. Faites-vous plaisir sur les valisettes. Ok, les amis, comme vous avez été sages. Choy, je leur montre les boosters. Tiens, choisis des boosters. Il est intenable, les gars. Oh, c'est du joli, ça, hein. Destiny occulte. Ça, les amis,
C'est plus de 20 euros le booster aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, du ciel rougissant. C'est rougissant. Sous-côté. Hein. Sous-côté. Hein. J'en profite, les amis, pour faire ma pub. Je suis un énorme fan, les amis, de Soleil et Lune. Je pense que vous l'avez compris. Je cherche impérativement des boosters en loose. Eclipse. Si vous en avez, envoyez-nous un message avec des prix pas délirants. Les mecs qui me font les prix. Alors, eBay, c'est ça plus ça. Ça m'intéresse pas. Je vais sur eBay, j'achète direct. Des gros lots. Des acheteurs sérieux, s'il vous plaît. Ça, c'est bon, hein. Non pesé, non tri, hein. Ça vient d'où, ça? Invest Collect. C'est pesé. Ah, c'est pesé, ouais. Bien vu. Non, bah... Oh, le nul, il a pas de bloc ex. Bah oui, si tout est pesé et recollé. Évolution. Cette boîte, du coup, il me la donne pour l'avoir aidé aujourd'hui. Ça aussi, les amis. On a perdu. Tu sais, la dispec que tu vas acheter à David K. Je vais plus de boosters, je les ai jamais vus. C'est ok, Kibiki, il a boosté du choc, il a boosté Stark en slow. Un scalper. Ah, on a un mec là, il est intéressé, hein. N'hésitez pas. C'est Kibiki qui paye. Attends, j'ouvre. Oh, gold. C'est compliqué d'être content. Bon, les amis. J'ai une carte gold. Ah, je t'ai pas dit aussi, le perdant, il paye à l'autre. Du coup, on reprend le concept. C'est quoi cette vidéo de Golmon, là? Stark en slow, les amis. Oh là là, je me soigne pas, moi. T'as gardé ton code. Dégage. Les amis, n'ouvrez jamais de EB, c'est pour ça qu'il faut tout garder scellé, les amis. Voilà, cette non, vidéo non, non, au moins. Gars, faut ouvrir. Non, voilà, faut pas écouter, Choy. Vous avez vu qu'on ouvre ce qui se passe? On devient riche grâce à ça. Non. Allez, sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo tri vous a plu. C'était vraiment le tri. 200 kilos de Pokémon et c'est vrai. Voilà. Non, merci, Choy, de m'avoir aidé. Je l'ai ramené que pour la main-d'œuvre. Du coup, il m'offre tous les autres boosters qu'on vous a montrés. Allez, si vous voulez me voir ouvrir un booster à 1€ contre un booster à 100€, n'hésitez à cliquer.